Salut les gens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roblox. On part sur une toute nouvelle escape. J'espère qu'elle va être cool, on est dans un hôtel, il va falloir qu'on s'enfuit de là. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Si on arrive à s'en sortir vivant, ce serait cool. Voilà notre hôtel, on est clairement sur un énorme lit avec une télécommande, un écran plat, tout pour être bien. Et là, il va falloir s'enfuir. On voit que le maître d'hôtel est pas très très à l'aise. Il a l'air d'avoir peur et nous, il faut qu'on sorte de là. Alors c'est parti, on commence par une petite salle de bain. Je pense qu'il va falloir escalader quelque part. Est-ce que je peux aller me laver les mains? Oh, il y a un bouton là. Ah, ok, c'est parti, on s'échappe. Alors déjà, on commence par les égouts, je déteste ça. Si je pouvais éviter d'aller là-dedans, ce serait cool. Ok, on a pété la grille. On est clairement sur une salle. Hey, salut toi. On va s'enregistrer. Et c'est parti! Ça en vrai je le fais pas. Hein. Trop le vertige. Ah! Voilà, j'en étais sûre que j'allais tomber. J'en étais sûre! Je suis insupportable. Ok, on le refait, on y va tranquille, ça sert à rien de se précipiter. En fait j'avais envie de sauter. Et je sais pas pourquoi mon personnage j'avais pas sauté. T'as pas sauté. À vous. À vous, t'as pas sauté. On va passer sur le côté, c'était. Ça avait l'air d'être plus simple. Voilà, on prend pas de risque. Hop. Hop. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Hop, hop. Voilà, on est pas mal. Ici, c'est là où on s'était totalement fail. Et voilà. Voilà, c'est tout, c'est tout. On m'entend juste totalement m'énerver sur mon clavier, mais tout va bien. Hop, 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 hop. Easy. Je vais où, là? En haut, en bas? Ouais, je dirais en haut. Hey, hey. Ah, et des petits nuages par contre. Va falloir faire très très attention parce qu'on va se faire cramer. Je vais attendre que... Oui, voilà. J'allais dire, on va attendre que celui-là passe. Oh, j'ai mon jumeau là. Il a un petit bout aussi, il est blond. Excellent. Ah, et il est mort. Ok, 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 je me concentre. 3, 2, 1. Let's go! Oh, bon, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. On va aller faire bronzette, voilà. Bonjour! Je viens bronzer. Pas dans cette baignoire, non. Ça m'inspire pas du tout confiance. Là-bas, on a un petit bouton rouge. Tut. Ah, d'accord. Ok. Moi qui voulais aller me baigner, c'est raté. Je suis totalement dans la piscine. Je vais mourir? Ah non. Ah ouais, là, c'est par contre moins drôle. Hein. Si j'ai ça sous mon hôtel, je m'inquiète un petit peu, là, quand même. Allez, on y croit. Hop, hop, hop. Ce truc-là, il bouge pas. C'est très bien. Ça sert à rien de se précipiter. Il faut prendre son temps. Enfin, on est quand même censé s'enfuir, donc quand tu t'enfuis, tu prends relativement pas ton temps. Oh! J'ai eu peur. Je l'ai vu bouger, j'ai paniqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sous mes pieds, là? On est où? Ok, donc ça, ça s'en va. Ça tient pas du tout. Oh! Ça va me stresser, je sens. Ok, ok, je me concentre. J'en ai deux à enchaîner qui bougent, et après, je me repose. Alors... Ok, très bien. Je suis là. Je me détends. Mais en fait, ça... Je sais pas, j'ai une sorte de tremblement de terre sous mes pieds au moment où ça le fait. Et du coup, j'y arrive pas. Oui, je suis en train de me trouver des excuses. Oui. Oh, purée, j'y croyais pas. Je me suis rattrapée, mais sur le rebord du rebord. Vous noterez que j'y suis arrivée, là. Ok, j'en ai combien à faire, là? On va se mettre sur le côté. Je me suis penchée en avant en mode ça va l'aider quoi. Alors là on a des sabres laser. Ok. 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 Easy les sabres laser. Easy. T'as même pas vu que j'y étais pas arrivée. Next. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une espèce de tuyau là en bas. Je pense que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Très bien. Je suis sur un petit tuyau. Tout se passe bien. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je suis sur un autre petit tuyau. Alors, je pense qu'il faut que je descende en fait tout en bas. Enfin, j'ai l'impression. Je crois pas que le but c'est soit d'avancer sur le tuyau, mais vraiment de. Non, mais un truc comme ça, mais jamais. Vous imaginez, c'est un truc à moitié rond. Ah, cylindrique. Et tu sautes d'un truc cylindrique ou autre, alors qu'en dessous il y a de l'acide et tu vas mourir si tu. Voilà. Voilà, 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 voilà.
J'ai fondu, j'ai coulé, j'ai glissé, j'ai blablabla. On la refait avec amour, joie, délicatesse. Alors, je vais peut-être rester sur le côté, là. Parce qu'au final, ça sert à rien de se mettre ailleurs. Hop. J'ai une sorte de mini-freeze, en fait, quand je saute. Du coup, je ne sais pas si je vais atterrir ou pas à chaque fois que je saute. C'est le petit... la petite surprise, quoi. Voilà. Le plus dur est fait, là, je pense. Là, on a fait le... on est sur de l'acide. Je pense qu'une fois qu'on a quitté l'acide, après, c'est... in the pocket. Une fois qu'on est in the zone. Où je suis ? Oh, je suis sur un caillou. Je suis sur un caillou checkpoint. Ok, j'avais dit l'acide. Après l'acide, en fait, il y a pire, il y a la lave. Bienvenue sur la lave. Allez, les vents, tu peux le faire. Non, 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 non. Il est un peu loin, lui. On en parle ou pas ? Ah non, ça va. Oh, ça va. Il est où le checkpoint là-dedans, là ? C'est bon, ici, ça bouge pas ? Non. Ici, c'est bon. Ça va, ça te fait genre en fait, c'est difficile mais ça va. Ah, ça c'est moins drôle ça. Là t'as de la lave qui te tombe sur les pattes là. Fouch ! Et voilà. Faudrait compter mon nombre de morts. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté le nombre de fois où j'étais morte depuis le début ? Allez mon petit, tu peux le faire. Hein ? Ah, j'étais sur le checkpoint. C'est le moment de partir. J'adore parce qu'à chaque fois ma tête elle redescend en mode. Vous venez de perdre votre tête. Tout va bien. Allez, des veaux là! Range ta queue de renard. Arrête de faire du chachaminou. Voilà, voilà. Ok, ici je le sens moyen. On fait bien le tour de la zone. On va faire le tour. On va se balader comme ça. Hop, hop, hop. Je ne touche à rien. Je prends le checkpoint et je m'en vais très, très loin. Très, 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 très loin. Ah, là je m'en vais pas là. Donc je saute sur cette espèce de plateforme qui est au-dessus. Et j'ai l'impression d'être en première personne, du coup c'est hyper chaud. Ah non, je suis dedans là. D'accord, j'étais dedans. C'est pour ça que j'y arrivais pas. J'étais carrément dans l'espèce de tuyau bizarre. Non, je veux pas partir. Non, non, je veux pas. Je veux sortir de là. Laissez-moi sortir. Ils m'ont piégé dans le tuyau. Faites quelque chose. Non. Faites quelque... Hé, je veux sortir de là. Ils me piègent dedans, hein. Mais quelle bande de relous. Non, mais si ça continue, je vais... Sortez-moi de là. Ah voilà, je suis repartie sur celui d'avant tellement c'était relou. Je suis un fantôme. Je suis un fantôme. Bonjour. On se la refait de loin. Voilà. Non. Non. Et c'est ainsi que Devovo mourut dans la lave après avoir utilisé ses 7 vies. Car elle était moitié humaine, moitié chat. Elle décida de se jeter dans la lave et de mourir. Je peux même pas me suicider en vrai. J'essaye mais... Et voilà, tout ça pour vous dire que ce jeu m'a tué, Moumoun. Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte qu'on est mort? Tu le sens? Tu le vois là? Tu le vois que je suis mourue? En vrai, elle revient de sa litière, elle sent vraiment pas bon. Bon les gens, on va s'arrêter là comme ça, je ne vous spoil pas la fin. Si vous avez envie de faire cette escape et je vous la mets en dessous, je ne sais pas combien de fois je suis morte, mais au moins 1,6 million, 1,7 million, comme dirait notre cher Geoffrey. Et ces trucs-là, je sais pas, genre, ils m'engloutissent, ils me bloquent, ils m'emprisonnent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, c'est cadeau. En tout cas, j'espère que ce petit moment vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très très vite. Pour une prochaine escape totalement en entier.